Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 43, déjà, de Au coin du DVD. Dans cet épisode 43, on reste donc sur la lettre V. Comme j'avais évoqué la semaine dernière, j'ai pas mal de films dans la lettre V. J'ai Le Village de M. Night Shyamalan, par exemple, qui est excellent. Et ce n'est pas Hugo Joubert qui me dirait le contraire là-dessus. J'ai également la saga La Vérité si je mens. C'est la saga La Vérité si je mens, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quelque chose. Pas fou, mais il y a quelque chose. J'ai également Vignane de Fabrice Duwels, mais j'ai déjà évoqué d'autres films de Fabrice Duwels, donc ça n'a pas grand intérêt de reparler encore de ce cinéaste extraordinaire. Mais du coup, ici, j'ai décidé de me centrer sur un réalisateur que j'adore. Et j'ai hésité à deux reprises avant à vous évoquer David Cronenberg, parce que dans les C, j'avais Chromosome 3, et dans les S, j'avais Scanners. Et ces deux films font partie d'une trilogie. Une trilogie complétée par le long métrage que l'on va évoquer aujourd'hui. Donc les fans de Cronenberg savent déjà de quel film je vais parler. Mais j'ai préféré parler de celui-là parce que pour moi c'est déjà un très grand film, c'est un de ses plus connus, et étrangement ça reste un de ses longs métrages qui a le plus besoin d'être découvert par le plus de spectateurs parce que c'est son plus accessible. Parce que même si Scanners est très connu, je pense profondément que Vidéodrome de David Cronenberg est un de ses longs métrages les plus accessibles. Et je me rends compte qu'en disant ça, je viens déjà de me mettre à dos une bonne partie des gens qui sont en train de regarder cette vidéo, mais restez, s'il vous plaît. Je vous jure qu'on va parler de choses intéressantes ici. Ça parle de quoi, Vidéodrome? C'est un chef de c'est directeur d'une chaîne de télé qui s'occupe de rechercher des programmes, et il aime bien les programmes pas violents, genre très violents. Et on n'arrête pas d'entendre parler d'un programme, en fait, qui serait de la mise en scène de meurtres et de violences extrêmes, qui se nommerait Vidéodrome. Et il va chercher à trouver ce programme. Je me contenterai juste de dire ça pour résumer le film, parce que sinon, je vais vous en dire trop et ça serait dommage. Le long métrage, quand il est sorti, bien évidemment, comme vous vous en doutez, a fait pas mal polémique, parce que c'est David Cronenberg et que, bien évidemment, la violence dans ces longs métrages est traitée de manière très crue. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'évoquer le fait que Vidéodrome, c'est la quintessence même du cinéma de David Cronenberg. David Cronenberg, comme vous en avez déjà certainement entendu parler, c'est un cinéaste qui aime travailler le corps. Le corps dans ce qu'il a de plus destructible. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez moyen d'avoir un bras qui peut exploser ou un truc comme ça, David Cronenberg va essayer de le faire pour traiter à quel point le spectateur a à la fois envie de voir ça, mais est capable de ressentir profondément la douleur de ces corps qui sont mis à rude épreuve. La mouche est extraordinaire de ce point de vue-là. Vous avez déjà vu La Mouche, vous savez que plus le film monte, plus vous avez des frissons et plus vous avez presque envie de vous gratter le corps, tellement vous ressentez la douleur de la transformation du personnage principal. Mais dans Vidéodrome, il y a déjà tout ça. Il y a vraiment déjà tout ça qui est au centre de ce long métrage. Et c'est ça, en fait, moi, qui me passionne dans Vidéodrome. C'est que c'est une œuvre qui parle d'un mec qui est quand même capable d'aller à la recherche d'un programme où on torture des gens. Et qui en même temps, de son côté, va du coup expérimenter au fur et à mesure de son avancée et de sa quête de ce programme, sa douleur propre. Et à quel point on peut pousser un être humain à souffrir et à ressentir une douleur, et surtout à quel point on peut y prendre du plaisir. Donc là, vous vous rendez compte que les thématiques de David Cronenberg sont vraiment poussées à l'extrême au travers de Vidéodrome. Et je vous comprends totalement parce que c'est complètement le cas. Ça fait mal. Vidéodrome n'est pas un film devant lequel on est posé, tranquille, pépouze, à picoler une petite bière et à se dire c'est fun, on se marre bien. C'est plus un film devant lequel on va avoir un verre d'eau et quand on va le boire, on va sentir l'eau passer dans chaque pore de notre corps en se disant j'ai de la chance d'avoir un corps qui est à peu près en bonne santé. Parce que les gens en face de moi, ils sont en train de douiller. Donc j'ai bien conscience que Scanners a aussi bien joué là-dessus, sur le fait que notamment il y ait une tête à un moment qui explose dans le film, mais Vidéodrome c'est un film qui... Ah mais moi là quand j'y repense ça me fout des frissons parce que vraiment on se sent mépris en fait par ce que Cronenberg filme. Et il le filme avec tellement de justesse encore une fois, mais parce que c'est David Cronenberg, et avec une telle ambiance, une telle construction de l'esthétique et un tel travail finalement de la mise en scène qui appuie justement cette douleur que l'on ressent à l'écran, qu'on se laisse entraîner là-dessus. Et puis... Mine de rien, c'était assez précurseur sur toute une veine d'un cinéma gore qui ensuite arrivera dans les années 90 et début 2000, où on va limite surfer sur le snuff movie. Et Vidéodrome est presque un préquel finalement de toute cette période-là, essayant justement de poser cette idée-là, sans pour autant y aller à fond,
et en arrivant quand même à poser tout ce qui fera ensuite la force de ce cinéma-là. Et aussi ses déviances, parce qu'évidemment, dans toute force, il y a bien évidemment un point où on décide de le passer et où là, on se rend compte qu'on a fait une connerie. Et malheureusement, la plupart des auteurs ne s'en rendent compte qu'au dernier moment de ce genre de choses. Mais bon, c'est un autre sujet. Également, très important de le pointer, James Woods en tête d'affiche de ce long métrage est excellent. Il est vraiment parfait de bout en bout et il appuie avec beaucoup de justesse tout le propos du film. Malheureusement, par contre, je n'aurai rien à vous donner en termes de bonus parce que l'édition que j'ai... Comment dire? Je suis chanceux d'avoir déjà le film. Et il n'y a rien d'autre dessus. Je peux même pas vous sortir un petit bonus de derrière les fagots, je n'ai absolument rien dans cette édition. Juste un film, mais quel film? Donc ouais, je me limiterai simplement à ça. Si vous n'avez jamais vu Vidéodrome, regardez-le à fond. Et si vous le connaissez, vous savez que ça ne coûte rien de le revoir une autre fois. Puis encore une autre fois, puis encore une autre fois, parce que c'est vraiment un excellent film. Ainsi s'achève donc cet épisode 43 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, je pense que les trois quarts d'entre vous ont vu Vidéodrome, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et les autres, allez le voir et revenez ensuite. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette petite émission, c'est qu'il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.